Bonjour, dans cette capsule vidéo, je vais parler des interprétations possibles de l'effet de substitution et l'effet revenant dans la situation d'une variation du prix dans l'équilibre du consommateur. La situation initiale à partir de laquelle nous allons démarrer, c'est une situation où on a deux biens, le bien X dont le prix est P1 et le bien Y dont le prix est P2. Nous allons supposer une variation du prix du bien X, à savoir le prix P1, et nous allons supposer qu'il s'agit d'une augmentation. Donc, cette augmentation va entraîner deux effets, un effet de substitution et un effet revenant. Je vais commencer par l'effet de substitution. Le bien X, s'il y a une augmentation évidemment du prix du bien X, il y aura, donc cette augmentation entraîne que le bien X devient relativement plus cher que le bien Y, et le consommateur, dans ce cas, réduit la demande du bien X et augmente la demande du bien Y. L'effet de substitution, il est à noter qu'il est toujours négatif, quelle que soit la nature du bien en question. Donc, on aura toujours une baisse de la demande suite à l'augmentation du prix d'un bien. Pour l'effet de revenant, l'augmentation du prix P1, c'est-à-dire le prix du bien X, toutes choses étant égales par ailleurs, entraîne une baisse du pouvoir d'achat du consommateur. Le consommateur ressentira en quelque sorte que c'est comme si son revenu ou bien son pouvoir d'achat diminue. Donc cette baisse du pouvoir d'achat aura deux effets. Ces deux effets dépendent en fait de la nature du bien X et du bien Y. Dans ce cas, nous allons trouver deux sous-situations. Si on est en présence d'un bien normal ou supérieur, la baisse du pouvoir d'achat se traduira par une baisse de la demande du bien. Par contre, si on a un bien inférieur, la baisse du pouvoir d'achat entraînera une augmentation de la demande du bien. On va essayer maintenant de faire une petite synthèse de l'effet de l'augmentation du prix du bien X. Donc, au niveau de la, on a un tableau ici qui montre plusieurs situations pour un bien normal ou un bien supérieur. L'effet de substitution est négatif, alors que l'effet revenant, c'est un effet qui est négatif aussi dû au fait qu'il y a une baisse du pouvoir d'achat. L'effet total, qui est la somme de l'effet de substitution et l'effet revenant, est un effet négatif. Donc, on va avoir une variation de la loi de la demande, ou bien une vérification plutôt de la loi de la demande. Pour le bien inférieur, ou bien pour le cas d'un bien inférieur, l'effet de substitution est négatif, alors que l'effet revenant, c'est un effet positif. Deux cas possibles. Il s'agit de comparer la valeur absolue de l'effet de substitution et la valeur absolue de l'effet revenant. Si la valeur absolue de l'effet de substitution est supérieure à celle de l'effet revenant, on aura donc que l'effet de substitution l'emporte sur l'effet revenant et on aura donc une vérification de la loi de la demande. Dans le cas contraire, c'est-à-dire l'effet de substitution est inférieur à l'effet revenant, on aura un effet total positif, c'est-à-dire que l'augmentation du prix du bien en question va entraîner une augmentation de la demande. Ceci n'est possible que dans le cas d'un bien dit de GFN. Voilà donc une petite synthèse des différentes situations possibles des interprétations de l'effet de substitution et l'effet revenant. Je ferai dans une vidéo ultérieure un exercice où je montre réellement comment on fait les interprétations. Merci pour votre attention et restez toujours connectés à cette chaîne.